Voilà comment ça s'est passé. Je suis allé avec ma femme, Rachel, dans un restaurant français. Et là, il y avait un très beau jeune homme qui était serveur. Il portait deux assiettes de soupe au-dessus de sa tête, comme ceci. Il est venu à ma table et il m'a regardé et il m'a dit « Vous êtes Monsieur Golan ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu « Oui ». Et à la seconde, il a soulevé sa jambe et il l'a fait voler au-dessus de ma tête, touchant mes cheveux. Les soupes n'ont pas bougé. Je me suis dit « Personne ne peut faire ça ». C'était une sorte d'homme miraculeux pour moi. Je lui ai donné ma carte et je lui ai dit de venir à mon bureau le lendemain matin. Et c'est ainsi que commença l'histoire entre moi et Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, que puis-je te dire de plus que sois heureux dans ta vie, plein de succès, joyeux anniversaire. Remets mes amitiés à tes parents et souviens-toi d'une chose. Je t'apprécie, mais en fait, je t'aime.